Hello tout le monde, suite à mon passage chez Action, je tenais à partager avec vous ces activités ludiques que j'ai achetées pour mes enfants. C'est une occasion de les ouvrir avec vous et de vous montrer en détail certaines activités qui ne coûtent pas cher mais qui plaisent toujours aux enfants, surtout si vos enfants sont manuels, adorent les travaux pratiques, adorent les activités des travaux pratiques. Franchement, c'est des petites pépites de chez Action. Vraiment, par rapport au rapport qualité-prix, rien à dire. Donc, je commence avec vous par cette petite mosaïque sur le thème pour filles, pour les princesses et aussi pour garçons. Donc, c'est, je crois, Flash McQueen. Donc, c'est de la mosaïque art. Vraiment, ça demande de la concentration, de la rigueur, et c'est une activité que les enfants aiment. J'ai acheté aussi, donc là, entre parenthèses, il y a le dentifrice que je vous montre au passage, car je l'ai acheté ce jour-là. Et aussi, il y a ces perles en diamant. Alors, c'est une carte où on va, donc, je crois qu'on dit peinture de diamant, ou c'est indiqué diamant painting. Diamant, voilà, c'est un petit tableau de diamant où vous allez voir, je vais l'ouvrir avec vous en détail après. Donc il y a le thème mini et le thème Mickey pour les garçons. Vous avez ce puzzle de 99 pièces, donc pour les 5 ans et plus. Vraiment, ça peut occuper aussi les enfants. Là, c'est du papier et du papier transparent que j'ai acheté pour une autre occasion que je suis en train de préparer. Là, c'est une petite valisette d'activités, de travaux pratiques. Vous avez 127 pièces à l'intérieur où il y a donc, je vais l'ouvrir avec vous en direct maintenant. On va découvrir ça ensemble. Il y avait plusieurs thèmes. Je vous laisserai le lien de la vidéo du passage chez Action pour vous montrer les autres valisettes qui existent sur d'autres thèmes. Donc, comme vous le remarquez, vous avez des perles, des bâtonnets. Vraiment, vous avez le manuel avec toutes les instructions nécessaires pour vous expliquer les activités. Les activités, donc, et suivre étape par étape donc, pour réaliser ces travaux manuels. Je trouve ça très intéressant. Vous pouvez acheter une petite valisette pour deux enfants. Vous n'êtes pas, parce qu'il y a plusieurs activités à l'intérieur, donc ils peuvent bien se partager les activités. Donc vraiment, je trouve ça très intéressant, très ludique et bien sûr, ça occupe les enfants. Ça change des écrans. Ensuite, je vais ouvrir avec vous cette boîte de Diamond Painting. Donc c'est de la peinture en diamant. Donc vous avez le thème Mickey pour les garçons ou filles, j'ai envie de dire aussi. Et vous avez le thème aussi mini. Donc moi j'ai pris mini. Au passage là, je vous montre ces petits bacs de rangement du frigo, donc qui utilisent les espaces vides. Donc là, je vais ouvrir avec vous mini, par exemple. On va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, on va trouver une toile donc autocollante pour coller les diamants. Vous avez le petit support pour mettre les petits diamants pour ne pas les perdre. Vous avez cette petite pâte à fixe pour la coller sur la table pour éviter d'en mettre partout les diamants, enfin d'en mettre partout. Et là, je vous montre aussi le thème Mickey avec mes enfants qui sont tout contents. Et là, ils vont s'atteler à cette activité qui va, franchement, je vous avoue, ça leur a pris quand même une bonne heure. Ça les a bien occupés. Mais il faut beaucoup de patience pour faire ce type d'activité. Donc, il faut déjà à la base qu'ils aiment les activités manuelles. Sinon, pas la peine d'acheter ce type d'activité s'ils n'aiment pas les activités manuelles de détail, de précision. Parce que sachez que moi, personnellement, en tant qu'adulte, je n'ai pas pu vraiment faire cette activité avec eux.